Bienvenue sur O80 Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur Wildars et on va se faire une vidéo bien sympathique par rapport à plus des chasses ou des trucs comme ça. Là, on va se faire un truc un petit peu plus en douceur. Notamment, donc, on va parler des bains, hein. Donc, en gros, ici, on vous demandera donc des compos bien spécifiques. Donc, moi, je l'ai déjà fait, bien sûr. Et ça vous permettra d'augmenter votre santé maximale. Donc, c'est important de le faire quand même pour pouvoir avoir un peu plus d'énergie. Alors, pour ce faire, on va se rendre dans le premier monde, hein, donc voilà. Et on va. Si vous ne l'aviez pas fait, hein, donc on va aller au grand arbre, donc clairière, excusez-moi, du grand Sakura. Et c'est parti. Et en gros, qu'est-ce qu'on va y faire chercher ici, qui est assez précieux. Alors, en gros, on va récupérer le fruit de lapin. Alors, le fruit de lapin, j'avais cherché. Je me disais, bon voilà, comment on fait pour l'obtenir? Je pensais que c'était un truc à ramasser par terre. Eh bien non, en gros, il va falloir récupérer via... hop, alors ici, ce qui est chiant, c'est un peu les caméras dans le jeu. Mais, voilà. Alors, ce qu'on va faire, en plus, vous voyez ici, là, c'est un mini-bain, c'est un mini-bain aux fruits de lapin. Donc, on va venir chercher, récupérer donc ces petits fruits de lapin. Alors en gros, pour vous faire voir, hein, donc voilà, donc c'est ici que vous allez trouver le point de TP, clairière du Grand Sakura, hein. Donc voilà. En plus, vous aurez donc un puits, hein, au cas où si vous avez des combats à faire dans le coin. Alors ici, j'espère qu'il n'y aura pas de gros monstres, parce que ça va venir casser ma petite vidéo. Donc voilà, ici, donc vous accroupissez avec rond. Vous allez tout près des petits lapins, hein, voilà, et vous allez le caresser. Voilà, une vidéo tout en douceur et en tendresse. On respecte la nature ici, hein, aujourd'hui. On ne chasse pas et on va récupérer comme ça ces fameux fruits de lapin. Voilà, ici, hop, allez, encore un petit câlin, hop, voilà. Alors, je vais le tenter de faire sur le lézard, hein, vous n'êtes pas obligé. Donc voilà, donc la vidéo c'était pour le fruit de lapin, mais c'est pour vous faire voir qu'on peut aussi câliner les lézards, sauf si vous sautez dessus. Il faut essayer de lui passer dans le dos, hein. Donc voilà, on va tenter. Voilà, il a l'air méchant. Ça va pas le faire. Non, voilà, bah il va m'attaquer. Bon, il va m'attaquer. Bon, mais sachez que vous pouvez le faire. Aussi sur les lézards, hein, pour peu qu'il vous a pas vu. Hein. Le lézard, celui-là, il vous donne une fleur de lézard, je sais plus trop quoi. Donc là, on va se mettre un petit peu hors combat. Et on va regarder les propriétés de ce fruit de lapin. Alors, c'est parti. Donc les fruits de lapin, c'est ici, hein, bien sûr. Ça va vous donner une résistance au bois, ça va renforcement au bois aussi, mais par contre ça va vous affaiblir un peu en attaque. Alors bien sûr, ce n'est pas, c'est, je vais dire voilà, ça sert à rien de le manger, c'est plus pour faire le bain et avoir un peu plus d'énergie en plus supplémentaire. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sur le fruit de lapin et comment le récupérer vous aura plu. Et on va se donner pour de prochains rendez-vous sur O80 Gaming. Et surtout, portez-vous bien, c'est très important.